Eh bien bonjour, bonjour. Alors j'ai vu que vous étiez, que certains avaient été attirés par mon anneau sur Discord que j'allais jouer à la suite de Conker. Alors déjà je vais m'excuser, je vais pas pouvoir jouer au casque parce que j'ai mal aux oreilles, donc je prends le micro de mon PC et puis je pense que le niveau n'est pas aussi bon que sur le niveau du casque. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors déjà c'est pas un jeu, c'est une ROM hack. C'est une ROM hack qui a été créée par Seth qui aime bien faire des ROM hack de A Link to the Past sur Super NES. Et un jour, enfin un jour, ça y a pris pas mal d'années, il a pris une ROM hack de A Link to the Past et il a mixé ça avec l'univers de Conker et ça en fait une sorte de suite non officielle de Conker. Et je ne le connais pas, je le fais en blind, hein, je sais pas combien de temps ça dure. Et ben allons-y! Et la ROM hack s'appelle Conker's Hyrule Tale. Et j'ai cherché sur Twitch, le jeu est pas référencé, alors je me suis mis en créative. Les ROM hack ont pas l'air référencés. Et donc ça va reprendre l'esprit de Conker, on va croiser plein de personnages d'univers différents, avec un humour pas mal décalé. Et il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, épisode, ça c'est, c'est 97. Link Beyond Time and Space. Un lien entre le temps et l'espace. C'est une période de chaos. Après avoir regardé sa femme douloureusement mourir dans des circonstances atroces, désastreuses, et après avoir évité d'avoir été transformé en pied de table. Un écureuil alcoolique nommé Conker essaie toujours de devenir un roi couronné. Son règne n'a pas été couronné de succès, il a dépensé tout le trésor dans la bière, dans la fête et dans les prostituées. Et il a même été mis en prison. Et il était pas loin d'être exécuté. Le jour de sa sentence, un événement... Ah, c'est dur à lire quand même. Elle a l'air libérée de ses liens. Un voyageur du temps, docteur, a fait l'irréversible. Son vaisseau spatial a explosé et ça a créé une sorte de portail entre les réalités. Poursuivi par une grande variété d'ennemis, des autres mondes, Conker voyage à travers un nouvel espoir pour changer son destin et restaurer la paix dans l'univers parallèle. Alors A Link to the Past Parallel Universe, c'était la précédente ROM hack de cette équipe et justement avant de faire cette ROM hack, ils voulaient faire la suite de Parallel Universe et finalement ils se sont dit tiens on va faire finalement une suite de Conker. Bon en tout cas bon je vais pas refaire l'intro. Ça respecte pas mal l'esprit du premier, que je n'ai pas fait, que j'ai regardé chez Pilou. Non, moi je mets pas de majuscule. Ah, je vais pas avoir assez de lettres. Ah mais c'est sensible. En première... Voilà, réussir à écrire son nom, c'était la... Allons-y. Léon. Ah t'es réveillé enfin, Néo. C'est pas mon nom. Je vous connais même pas. Vous me faites kidnapper. Pourquoi vous me faites ça? Salut Laude. Nous savons qui vous êtes, ce que vous êtes. Je sais pas de quoi vous parlez.
Il semblerait que vous viviez deux vies. Dans une vie, vous êtes le Namek, un assassin. C'est exactement ça. Dans l'autre vie, vous le vivez dans des ordinateurs. Et vous êtes un pirate du nom de Neo. Et vous êtes coupable virtuellement. J'ai pas eu le temps. On vous regarde depuis pas mal de temps, monsieur le Namek. Qu'est-ce que vous me voulez ? De faire ce qu'on vous dira de faire. Rencontrer mes jumeaux à l'extérieur. Ah non, rencontrer mon jumeau à l'extérieur et il vous donnera plus de détails. Ce sont des toilettes. Ça fait longtemps qu'on les a pas utilisées. Alors je crois que j'ai mal configuré mes manettes parce que j'ai rond pour faire action. Abstergo Cryolate. Waouh. Où suis-je? Bienvenue à Abstergo Cryolate. Ce qui est, notre entreprise explore la mémoire génétique de nos ancêtres en utilisant une machine que nous appelons l'Animus. Souvenirs, les souvenirs génétiques. Et qu'est-ce que vous diriez si je vous dis que le corps humain ne contient pas que des souvenirs individuels, mais la mémoire de nos ancêtres également. La mémoire génétique. Si vous voulez. Ok. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement des instructions génétiques qu'elle passe de la précédente génération, mais des souvenirs aussi. Et l'Animus vous permet de décoder et de lire cet ADN précisément. Donc maintenant, je suppose que vous voulez que je fasse marcher l'Animus, enfin que j'entre dans l'Animus. Exactement. C'est la machine située sur ta gauche. Une machine. Tout ce que je vois, c'est des tuiles noires sur le sol. Oui. J'avais presque oublié. Seth, c'est le nom du créateur de la ROM, est parti avec des tuiles pour créer notre monde. Ah. Mais c'est qui Seth? Le grand créateur de toute chose qui était, qui est, qui sera. Mais pour l'instant, concentre-toi sur ta mission. Elle est où ta machine? Oh non, pas tout! Ah cool, on peut passer les dialogues en faisant ça. Ah bah voilà! Ma tête, ça fait mal. Enfin, j'ai mal. Où suis-je? Cet endroit ressemble à un autre endroit merdique d'un jeu de 8 bits, pas moins.
comment je me suis retrouvé ici. Je me souviens pas que Rare faisait des jeux rétro comme ça. De quel goût voulez-vous que soit votre boss? Crème à la vanille, très épicée. Bon, la vanille. Hein. T'as peur d'affronter des boss? Je pense qu'on peut pas donner une épée à quelqu'un qui ne sait pas danser. Si je mets l'autre. Ah, fresh meat. Même la mort ne sera pas de mes super boss. C'est ce qu'on va voir. Ah, Zelda 2, ça. Il y avait un village là. Ouais, je reconnais ce décor de Zelda 2. Un jour, je pense que je le ferai dans mon stream, Zelda 2. Ah, je peux pas rentrer dans les villages. La main soit lourde. Ah bah j'ai pas le choix. Hein. Ah oui, je suis pas allé en haut. Carte qui pourrait m'aider. Bienvenue à Hyrule. De quoi? Plaisanter. Je suis dans un modèle de jeu de Zelda. Oh, il y a Todd. Regarde. Bonjour, monsieur. Présentez-moi votre médaille de la Triforce. Et je vous prends voilà. Ah. Ah, je l'avais ce matin, mais je. Je l'ai tiré à chasse. C'est passé par les toilettes. Ah ah. Je suis quelqu'un de très important, vous voyez. Peut-être que c'est Ruby. Vous fera partir. Ouais, ça va juste me mettre hors de moi. Je reviendrai plus tard. Alors. Ah, j'ai fait le tour. Tu reviens là à chaque fois. Follow the white rabbit. Tu sais pas lire. J'ai utilisé tout mon sang pour écrire ce message. Mais c'est pas assez.
Il a fallu que tu viennes me parler directement. Je n'ai rien de plus à te dire, Rick. Suis ce putain de lapin. Peu importe la direction où il va. Et laisse-moi tranquille. Ah si, là, je l'ai pas vu. Il est pas là, quand même. Ah ben non, je suis revenu là. Il se moque de moi, le jeu, là. Oh, la première énigme du jeu, j'arrive pas, dis donc. J'ai pas d'inventaire. Non, y'a pas de code. Le suivre, c'est qu'il va dans les arbres. Ce passage là ça a l'air bon, mais ça après c'est de... Ouais, si je vais par là c'est bien. Non, je reviens là. Ah là, je suis bloqué sur la première énigme du jeu, dis donc. En fait, non, je reviens toujours à la même salle. Ah, et puis là, il est revenu. Non, c'est pas la même, c'est pas la même, c'est pas le même endroit, ça. Non.
Attends, en fait, je reviens toujours au même truc. Il y a la banquette là. Ouais, si, je reviens toujours. Ah, c'était là, ok, il fallait pas. Ok, oh, ça a pas l'air très accueillant. Non, je pas. Ah non, je pensais qu'on pourrait monter. Non, on va voir là-dedans. Un petit donjon. Il y a un interrupteur ici. Je demande ce qui va se passer si je appuie dessus. Bonjour. Vous pouvez m'aider? J'ai besoin de rentrer à la maison parce que je me sens pas très bien. Maison? Non. Oh. Donc vous pouvez pas m'aider. En fait, si je peux, peut-être. Si pour une raison ou une autre vous voulez passer tout ça. Ces merveilleux dialogues, et bah en fait, et bah vous avez juste à appuyer sur X. Ok. Non. X. Comme dans Xenomorph. Xenomorph qui était le boss de fin de Conker 1. Mais c'est pas de. Overwriting, c'est de décrire par-dessus mes routines. Enfin, c'est des termes informatiques. Ok, ça va encore être une énigme. Quoique non, je suis pas descendu. Si. Si, je suis tombé là, et je suis retombé au premier étage, enfin au rez-de-chaussée. D'accord. Voilà, c'est la même chose. Ah, ça bien la réputation des rom hack, hein, c'est que c'est chaud. Hein, c'est ah bah ouais, je reviens là. Ah bah mince. J'aurais pas dû sortir de l'écran. Ok, alors en fait ça c'est en haut. Ensuite là je me suis par là.
Non, non, mais comment j'ai fait tout à l'heure? En fait, j'ai réussi sans faire exprès. À un moment, je suis passé en bas et ça a marché. Ça m'a emmené. Oh merde. J'ai réussi tout à l'heure. Ah. Il ouais, faut faire plusieurs fois. Bon, en tout cas, ça m'indique pas comment je... Comment je progresse dans ce palais, là. J'ai trouvé un backpack, c'est un sac à dos. Ah, regardons à l'intérieur. Il y a un smartphone et un briquet en argent. Et un grand sac avec des pilules rouges et bleues. Avec écrit ne touchez pas à propriété de Morpheus. Je peux utiliser ces pilules n'importe quand en appuyant sur le bouton Select. Si je veux afficher le menu de mon smartphone, je dois appuyer sur Start. Après avoir ouvert mon smartphone, je peux utiliser L et R pour me déplacer entre les écrans. Ganon Slayer, ok, je suis chez Ganon déjà. Ah ok, droite, gauche, droite, les bois perdus c'était ça? Non. Et c'est quoi cette histoire de pilule? Prendre la pilule bleue, prendre la pilule rouge, je remercie ce jeu. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Ça sauvegarde? Ah, j'espère que ça sauvegarde.
Oh non! Mais non! Le pire, c'est que je savais que c'était un troll. Si ça a sauvegardé, j'ai encore le briquet. Par contre, je suis revenu, voilà, au début. Va falloir que je refasse le passage, j'ai pas compris comment j'ai réussi à... Je crois que j'ai fait deux fois en haut et après je suis passé par le bas. Ça a marché. Oh, bah là ça va. Ok. Ah, des combats. Ouais, ça va pas être évident. Hein. Oula. Ok. Qu'est-ce qu'il va me dire là? Ah, il dirait que, qu'il y ait une tablette d'instruction. Oh, je vois, c'est pour les trucs plus complexes. Pour stunner un ennemi en utilisant vos coups de poing, vous avez juste appuyé sur B. Enfin, va falloir que j'essaye ça. Certains ennemis peuvent les tuer instantanément si on les pousse dans les pics. C'est un peu ce que j'ai fait, quoi. Ça a l'air simple. Ça c'est les téléporteurs, mais je sais pas si je les prends tout de suite. Ah, c'est fermé ça. Ah, c'est des pots. Ok. Ah, ok. Ah bah dans ce cas-là, j'aurais pas dû... Oups. Allez bien. Ouah, c'est troll ça. Ouais, bah pas grave. Ouais. C'est fermé magnifiquement. J'aurai besoin de trouver la carte qui correspond si je veux l'ouvrir. Ah, je reviens là.
mais c'est chaud là. Ah bah non, il a fallu, je devais, d'accord. Ah là, ça va être. Ah non, je pensais qu'il y aurait un interrupteur. Là, il y aura un interrupteur. Un peu trop simple ça, je le sens pas. Non, ça va. Là, il y a quoi là? Oh. C'est fermé magnétiquement. D'accord. En fait, là, dans le jeu, c'est pas des grandes clés, c'est des cartes. Ah. Ok, faut peut-être peut-être une espèce d'astuce. Ça, ça devrait le faire. Oui, il est où, l'autre? J'ai trouvé une carte. Il y avait un coffre, peut-être tout de suite prendre le coffre. Hein. Un grappin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est un putain de grappin. Ça va du point A au point 2, point B en un seul coup, quoi. Ouais, ça je peux parce que ça, ça va, ça. Ah, je te. D'accord. Ah, ça c'est intéressant, on pouvait pas le faire ça dans Link to the Past. Ouais, c'est tout bête, mais. Pas besoin d'aller dans le menu, on pensait à tout. Ah, il y avait un trou aussi que j'ai pas essayé. Ça, j'ai pas essayé le trou. Je suis déjà allé là. Ah non. Ça vous appelez un puzzle super dur. Ouah, 300$. Mais est-ce que j'ai pas un truc limité?
Ok, ça c'est la salle. Oh. Ah, mais si, je peux y aller. Ouais, je peux même. Ok. Ah, je reviens là. Du coup. Mais pourtant, je suis déjà allé dans cette salle là. Non, j'ai pas dû y aller ici. Est-ce que je peux? Non. Oups. Attention. Ah! Mais non! Là par contre. Non. Bah, peut-être celui-là, tout simplement. Voilà. Je sens qu'on arrive au boss bientôt. Ah bah ils nous mettent une fée juste avant. Mais non, y a rien. Bah ça va être un coffre. Ah ouais, ok. J'ai trouvé une queue de renard. C'est une queue merdique, mais c'est mieux que rien. Mince. Ah, faut que. Ok, faut que je refasse mon corps petit à petit, un truc comme ça. Ah, un boss. Ouah, ce boss a l'air super fort. Je vais lire les pouvoirs de ce mec. De quoi? C'est It's Over. Ganon. Ah, c'est Ganon. Vous êtes mon prisonnier. Hey! Silence! Oups. Ok. C'est le même combat contre Ganon. Ah oui, mais par contre, oui, ça craint ça. Oh, ok. Je sens que ça va être troll au bout d'un moment. Parce que la Ganim, c'était pas un boss qui était difficile qu'on faisait. Je pense que ça va être une référence, il va avoir une espèce de seconde forme. Ah oh non, ça c'est... Oh! Ouais, je me suis dit, si c'est les éclairs, je suis foutu. Faut que je sois sur le côté, en fait. Oh là là, je me loupe. C'est pas évident. Faut bien être en face.
et de 2. En tout cas, j'ai récupéré un grappin, mais pour l'instant, donc le boss ne me sert pas. Bah, d'habitude, dans les Zelda, quand on récupère un trésor. Oh ! Je suis trop tôt. Surtout qu'il en fait pas beaucoup. Oh, mais. Ça a failli m'avoir. Ah, mais j'étais bien, je me suis replacé, j'étais bien. Ah non. Oh, il me reste plus que... Oh, j'ai eu de la chance, là. Ah, je me doutais que c'est des éclairs. Ah, il en faut combien ? Non, faut pas que je me mette. Ouais, j'ai eu peur que ça soit. J'étais trop près. Et vous êtes increvable, Ganon ? Oh, j'étais bien placé là. Ah, bien on voit des. Ouais, mais faut aussi que. Ah! Vous m'avez tué! Bien! La prochaine fois, je te botterai plus. Non! Il est mort. On se casse d'ici. Je sens qu'on va avoir une seconde phase. Non, ça va. Donc voilà ici. J'imagine que maintenant, tu te sens un peu comme Alice tombant dans le trou avec le lapin. Mais vous êtes qui ? Attention. Il t'écoute. Il nous écoute. La matrice ta Néo. Quoi ? C'est quoi la matrice ? Désolé. Je peux pas te le dire. On peut pas me remettre full life en allant dans...
Ouais, je suis où? C'est le château de Mario 64, ça? Ouais, tout qui ressemble. Cette porte mène au gros boss du château. Très bien. Qu'est-ce que t'attends pour ouvrir cette porte? Et on le tue? C'est fermé, mon petit ami. Peut-être que si tu frappes... Toc toc. C'est une bonne idée? Est-ce vraiment une bonne idée? Qu'est-ce que tu veux, Bowser? Je suis occupé. Oh. Bon, rien. Ramène ton cul ici, maintenant. T'as du travail à faire. Ok, ok. Pitch, tu passes dans la poseur. Bon, je dois y aller. N'oublie pas... Je traduirai pas ça. Je savais que Peach et Bowser étaient ensemble, moi. Ça ne m'étonne pas. Mario, c'est le méchant depuis le début. Hein. Oh, cool! Route vers donjon 2 et 3. Peu importe ce que tu as prévu, oublie. Je suis le docteur. J'ai 904 ans. Je suis de la planète Califray, dans la constellation de Casterbourg. Je suis la tempête qui arrive, celui qui amène les ténèbres. Et toi, t'es juste un écureuil, n'est-ce pas? Ouais, continue. Juste un avertissement général. Effectivement, je sens que ça va pas le faire. Donjon 9, j'y suis pas encore. 9 donjons. Intéressant ça.
My name is Chris Julian. Je sais pas qui c'est, mais à mon avis c'est une référence. Ou si ce n'est pas ma secret. Ce n'est pas ma chambre secrète. Continue de chercher les 9 bugs humains et reviens, ok. Ok. Me dit qu'un esprit démoniaque dort dans cette statue. La meilleure chose à faire, c'est de le laisser tranquille. Bon, en fait, je peux aller nulle part. Ok. D'accord. C'est pas ça le flamet. Bon, en fait, faut que j'aille au donjon 2 et 3, mais la route était vide. Ah, mais non, j'avais pas vu ça. Ah, c'est pareil, j'ai du temps. Conseil du joueur. Fais le rond de son déplacement spécial. Essaye de sauter l'une à une autre. Et au cas où tu demanderais, t'auras juste assez de temps pour atteindre la sortie. De quoi ? Eh bien, tu viens d'entrer par une entrée, n'est-ce pas ? Bah ouais. Cela signifie que tu as 15 secondes pour trouver la sortie qui mène à un autre univers. Oh, maintenant je comprends. Je crois. Chaque bac supplémentaire que tu collectes te donnera du temps supplémentaire. Et un certain objet que tu auras plus tard dans le jeu arrêtera le temps. Mais j'en ai trop dit. Trouve le reste par toi-même. Espèce de...
était mal poli. Remercie Durok pour ce conseil. Il tient à toi à l'inverse de Seth et Euclide. En fait, c'est l'équipe du jeu, ça. Euclide n'a fait aucun donjon dans ce jeu. Si tu dois être en colère contre quelqu'un, prends-toi à Seth. Je me rappellerai. J'en suis sûr. C'est court 15 secondes. J'étais pas préparé là. Donc je recommence. Où vas-tu aller au nord? Ah, tu te trouves dans une allée sombre. Il y a deux sorties. Le nord mène à une sous-station, alors que le sud. Je vais à l'épicerie. Tu te trouves dans une épicerie. Il y a des magazines et un téléporteur. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, la porte magazine. Pas. Bon bah téléporteur. Où suis-je? Ah c'est... Quand même pour une ROM hack de Link to the Past, ils sont allés loin. Enfin, il y a beaucoup de trucs, quoi. Je peux pas ouvrir la porte? C'est fermé. Peut-être que si tu sonnes. Ding dong. Homer. Oh, c'est Homer. Bonjour, c'est qui? Oui. Qui? Ah, Goose. Pas encore. Je sais pas comment le traduire, Goose. Va-t'en. Je pense que tu vas pas entrer de sitôt. Tu veux réessayer? Je t'en prie. Ding dong. Homer Simpson. J'ai une livraison spéciale pour toi. Bart. Ah, c'est pour moi. Vous nous devez 2000$. Ouvrez cette porte. Ay caramba. En fait, je suis Bart. Homer est toujours là. Bonjour. Bart, Homer, quelqu'un, tu vois, je t'avais dit, putain de bâtard, salut Bloobs, ça va être la même discussion. Ouais, c'est la même. Ah. Ok, ça c'est pas une bonne idée. Eh ben, je vais aller au nord cette fois. Ça n'a pas l'air super. Si, je suis dans un donjon. Non, c'est pas un donjon. Je suis où maintenant? Oceanic Airlines, c'est quoi ça? PlayStation? Pardon.
Je suis désolé, petit chat, mais j'aime pas les chats. Substation. Ah, ok, substation. Allons voir. Ça les immobilise. Je m'y attendais pas ça. En plus, j'ai tout enlevé le dernier CD ennemi. Non, c'est pas un jeu officiel, c'est une ROM hack. C'est une ROM hack de A Link to the Past et ils ont pris l'univers de Conker pour en faire une suite du jeu sur N64. Elle est bien faite la ROM hack. Pas les tuer quand ils sont... On dirait que quelque chose est écrit. Ah, c'est Better Call Saul. Saul Goodman qui était l'avocat dans Breaking Bad et puis ils en ont fait une série à son nom, un spin-off. Tu veux pas que je te tue pas. Ça c'est comme ça, c'est vraiment comme A Link to the Past, hein. Le pot. Ouais, c'est toujours bien de tuer tous les points. C'est quoi ça? J'ai trouvé un GPS. Des coordonnées GPS pour ce donjon. Je peux entendre des sons dans les salles contenant un coffre. Ça peut être intéressant ça. C'est la même salle. Oh, salut toi. Truc de Megaman. Là, par exemple, il y a un coffre, je pense. Je sais pas, ça doit être quelqu'un qui a fait le jeu aussi, ça. Ça serait pas le prophète du chaos. Je dois courir. On se voit là-bas. Ok, c'est tout. Pourquoi ma fenêtre? Là-dessus, c'est une autre fenêtre. Ouah, mes filles, c'est eux qui m'ont enlevé ton vie que ça. Je n'aime pas eux.
Ils sont insensibles au grappin. De toute façon, il n'y a pas eu de son là pour dire qu'il y avait un coffre. J'aimerais bien que vous me donniez des cœurs. Ok, là il y en a un. Peut-être en faisant ça. Oh. Voilà. J'en avais déjà une, mais on n'a jamais de trop. Ah, je sais pas si c'est pris d'un univers là, cette station. Il y avait des ennemis de Megaman, mais. Le premier boss qu'on a battu, c'était Ganon. Je sais pas qui c'est là. Ah, le cœur, c'est bien. Il y a un coffre là. Ah, ok, là, ça n'est pas fini. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ok, c'est ces ennemis là. Non! Comme Link to the Past. Mais par contre, ma première mort. Alors la mort dans Conker était marrante. Je sais pas si ça. Ah non. Ah d'accord. Snake. Est-ce que je prends la pile bleue? Je vais faire. Red pill. J'étais retourné. À mon avis, ça c'est pour continuer. Ah, je reprends au début du truc. Mais non, je fais l'idiot. Oh non, c'est pas le. Si, c'est le début, ça. Non, c'est pas le début. Non, je sais plus. Ah bah c'est là, c'est la salle où c'est qu'il y a les. Ah c'est pas dur. Faut faire attention. On a encore un quelque part. Ah non, mais je me cours de bouton. Ah, mais j'ai fait n'importe quoi. C'est ça le coup de poing. Mes vies, ça m'enlève tout carré quand. Si vous pouvez me donner un cœur, ça n'a pas de refus. Mes yeux. Ne panique pas.
une copie intacte du célèbre guide du randonneur de la galaxie contient toutes les réponses à ma quête, ou peut-être pas. Mais on va le prendre avec nous, juste au cas où. C'est tellement gros que je vais probablement finir par le lire des pages. Routard, voilà. Ah ok, c'est juste. Oui, c'est juste une encyclopédie, c'est comme le smartphone. Ah ben, ça avait l'air intéressant cette dernière phrase, j'ai pas lu. Non. Vous n'avez pas des cœurs? Ah, je les aime pas eux. Ok, il y en a un là. Ah, mais c'est chiant qu'on puisse pas les taper quand ils sont immobiles. Ça se fait pas, ça. Au début de l'univers. Au début, l'univers a été créé. Ça a rendu des gens pas mal en colère. Et ça a été plutôt considéré comme un mauvais truc, un mauvais choix. C'est tout ? Ah mais il en faut combien de coups Comment on les tue ces connards? Ah! La technique ultime. Ok. Ah, ça c'est bien. Il est où? Où c'est qu'il est apparu? Ouah, un cube. Ah, la carte de ce donjon. D'accord, c'est qu'il y a des coffres. Ouah, c'est grand comme palais, ça. Ah, je suis entré là-bas, mais j'ai pas pris le coffre. Ah, il s'arrête jamais. Moi, je vais t'arrêter, hein. En plus, tu me donnes un cœur, c'est sympa. Ah, je m'en doutais qu'il y en avait rien. Comment j'ai fait pour aller dans cette salle tout à l'heure? J'ai récupéré des clés, mais... Ah, bah ça, c'est intéressant, ça. Je
Je vais atterrir là. Ouais, il me manque un coffre, ouais. Il y en a un que j'ai oublié. J'espère que c'était pas super... Ça va être une clé, ça se trouve. Mais qu'est-ce que je fais? Ah, c'est peut-être pas malin, ça. En même temps, il n'y a pas de coffre dans cette salle. Si, il y en avait un. Ça a bien joué, ça. Ça, c'est pas mal joué, ça. Ouais, 300$. Oh, je veux pas cracher sur 300$. Bon, on va faire toutes les salles, hein, avant de changer d'étage. Ok, intéressant. Alors ça va être le genre de... Ah non, je pensais que c'était les... Ah, il va être fermé. J'ai pas la carte magnétique. Bon, en tout cas, le trésor, il est là. Ça va pas être une énigme, ça, genre, faut que je tombe dans le bon trou pour accéder à une clé ou un truc comme ça. Ouais, bon, on va tout faire l'étage. Hein. Ah, mais je remets pas mon... Je peux les tuer, ces trucs-là? Oui, c'est vrai, je l'avais déjà fait avec un coup. C'est bizarre qu'il n'y ait rien dans cette salle isolée. Hein. Ouais, bon, on va prendre la clé. Ok, là il y a un coffre. C'est peut-être dans l'autre salle. Peut-être que si, il y a peut-être un interrupteur dans l'autre salle où c'est qu'il n'y a rien. Ou alors c'est peut-être ça. Non. Ah, il y a peut-être tout le temps. Ça, ok. Ah, la carte magnétique. Ah, je peux aller chercher le trésor. C'était pas idiot de faire toutes les... Par contre, je suis descendu d'un étage, je sais pas si on peut remonter d'un étage, parce que j'ai oublié un coffre en haut. J'ai vu qu'on tombe dans des trous pour changer d'étage. J'espère qu'il n'y avait pas une clé, quoi. Où le coffre? Ouais, si, il faut que j'aille par là. C'est des cornes, des cœurs en fait. Boomerang! Ouais, un boomerang bleu. Mes ennemis devraient être bien moins ennuyeux maintenant.
pas l'air de faire beaucoup plus mal. Ah, maintenant, on sait où je vais aller. Ouais, bah, je vais changer d'étage. Hein. Ah, ça me met ici. Comment je vais au boss? Ah, mais je suis revenu au début, là. Ok. Ah, ça, c'est un escalier, ok. Ah, oui, ça, c'était ça. C'est pour ça que j'avais pas pris, parce que... Je sais pas comment enlever ces pics là. Et je crois que j'avais tout, il n'y a pas d'interrupteur. Par contre, il y a un ennemi. Hein. Voilà. Ah mais j'ai... Ok, si, c'est ça. Non, je peux pas. Je pensais que je pourrais... Bah si. Allez! Voilà! Alors pour l'instant, je le trouve plus simple que le premier. Bon, bah, c'est vrai que le boss, on me remet à fond, là. De toute façon, j'ai fait toutes les salles. Ouais, moi, c'est une grande salle, et puis... Oh, j'aurais pas dû les... Ok. Narrateur. Attention, Onamek. Une Pocket Station sauvage est apparue. Il a activé l'interrupteur. C'est super efficace. C'est marrant, le premier boss ressemblait à Ganym, celui-là il ressemble au boss du premier château. Enfin, une fois qu'on a... Ils ont gardé le gameplay des boss des... Oups. Oh mince. Par contre, il est résistant. J'ai autre chose à faire. Je dois lui mettre une bombe, je dois l'emmener dans les pics. Bizarre, j'ai mis plein de coups là. Ah mais j'ai pas... Ça me donne pas des indications ça. Ça n'a pas l'air...
À mon avis, les bombes, c'est pas le bon plan. Ah mince. J'ai l'impression que je fais pas ce qu'il faut faire. Ouah, je recommence là. Ah ouais, mais en fait c'est pas si grave, je crois. J'ai oublié une salle quand même. Dans... À mon avis, la salle c'était quand si je tombais dans la salle du coffre. Je suis à fond. Hein. C'est tout drapant. Mais... Je suis encore moins bon que tout à l'heure. Oh là là. Ça peut durer trop. Maintenant, le combat contre Ganon avait duré assez longtemps. Je suis bientôt mort. Il y a plus de chances qu'il me tue que je le tue. Hein. Ouf, je suis pas passé loin là. C'est super dur le tapis roulant qui arrête pas de changer de sens. Allez. Ah mais je dois oublier de faire un truc, hein. J'ai certainement un autre truc à faire que ça. Parce qu'il change même pas de couleur, il... Ok, si c'est bon. Oh là là. J'ai trouvé une des 9 bagues humaines. Bagues humaines du courage. Oula. Ah si, en fait, ça c'est la dernière salle, c'est ça? Voilà, celle-là, je l'avais pas faite. Salut PlayStation 2. Je suis à la sortie, en fait. Est-ce que ça me ramène... Ok, ça me ramène là. Jamais... Si, je vais l'avoir. Ok. Ouais, fallait continuer à bourrer en fait. Je sais pas combien de coups je lui ai mis, mais...
Au moment où j'allais l'abandonner, il est mort. Ok, là, y a rien. Mais je crois que j'ai... Non, ouais, j'ai tout pris, là. Vas-y, j'ai fait le donjon 2. Ah, il m'aurait bien la même chose. Ah, de toute façon, le donjon 3 est par là aussi. Ah, mais par contre... Bah, je vais retourner là-bas, parce que... Ah oui, le fait d'avoir battu. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ça fait rien, ça. Il veut toujours pas me parler, Homer Simpson. Ah, c'est la même. Non, c'est vraiment tout comme ça, la conversation. Est-ce qu'il y a autre chose en haut? Mais non. Oh non, il y avait que le coffre. Je peux pas activer les machins, là. Ah, encore la fenêtre qui s'est désélectionnée. Bon, qu'est-ce qu'il dit, non? Peu importe ce que tu as planifié, oublie. Je suis le docteur, oui. On va me refaire ce petit discours. Même Docteur Who. Je vois bien que tu me donnes accès, parce que là j'ai fait le donjon 2 et normalement le donjon 3 il est par là. Okay, en fait, je peux pas aller. Voilà, on roule vers donjon 2 et 3. Mais il est où le donjon 3? Enfin, le donjon 3 il doit être par la droite, mais je peux pas y accéder. Ah, si, il y a un autre coffre en haut. Comment on accède à l'autre coffre en haut? Ah bah c'est aussi par une plateforme, mais je les ai pas encore ces plateformes.
Et le boomerang, il me... Mince. Pas facile à traduire cette blague. Comment on a tous ces machins? Je vais aller faire un autre tour. Bah j'ai fait plein de portes dans le château de Mario 64, bon, à chaque fois on fait route vers donjon 4, route vers donjon 5, route vers donjon... il y en a pas mal, à un moment il y a le donjon 9. Et je pense qu'il faut que je les fasse dans l'ordre, quoi. Bah, ça c'est Bowser qui est en train... et Peach qui sont en train de... Et à chaque fois j'étais bloqué, parce qu'à mon avis j'ai pas les objets qu'il faut pour... Ça c'est route vers le donjon 9. Bah, je vais essayer d'avancer. Par là, j'ai pas fait ça tout à l'heure. Ouais, là je peux pas y aller là. Il doit me manquer quelque chose. À moins que je puisse agripper quelque chose avec le grappin. Ah mince, j'avais pas vu. Ah oui, non, c'est qu'en plus il y a du temps. Ouais, c'est... Mais je sais pas où je le récupère, parce que là, pour la route, pour le donjon 3, je devrais en avoir besoin. Si j'ai récupéré le boomerang, quoi, dans... Ah bah ça, tout à l'heure, je pouvais pas le... Toujours pas. Avec le grappin. Non, le grappin, il va pas plus loin que ça. Mon bon grand ne va pas assez loin. Oh mince. Je peux pas le soulever. Donc ça résout le problème tout de suite. En fait, ce tableau, c'est directement des donjons, alors que les portes, c'est des chemins pour aller vers un donjon. Ouais, non, lui, il me faut plusieurs. Il m'a dit que de revenir quand j'aurai 9 bagues. Un truc comme ça. Je sais plus si c'est 9 ou... Je peux pas y aller dans celle-là?
peut-être que je place... Attends, mais j'ai pas essayé de ressortir. Ouais, je suis pas nul là. J'ai trouvé un fragment d'ADN. Encore 3 pour synchroniser l'ADN. Ouais, ça c'est le j'ai lu tout à l'heure, ça c'est le 9, je crois. 10. Et puis j'ai pas assez de temps, j'ai pas réussi à récupérer assez de... Du coup j'avais perdu un petit peu de temps, je vais essayer. Ah mince, voilà c'est foutu. Plus je passe de palais, plus j'ai de temps pour aller d'un palais à un autre. Ah bah là j'ai rien de... Non. Tout à l'heure j'avais 15 secondes, maintenant j'en ai 20. Attends, ça a l'air faisable là. Ah mince. Ah mais pourquoi t'as pas voulu là? Bah non, tu m'as foutu en l'air là. Je suis pas monté de taureau. Ah, il me manque pas grand chose, mais il m'en manque. Je pense pas avoir le temps pour. Par contre, moi je vais aller voir tout en haut. Ok. Bon, je vais attendre le temps que ça coule.
Il me manquait juste un petit truc, quoi. Bon, je crois que je vais arrêter là. Je vois pas ce qu'il faut faire. Comment je sauvegarde? Oui, si, avec la pile rouge. Ah, je peux pas aller dans mon... Ah, Google Maps. Ah, si t'expeed, ouais, un petit peu plus vite, ça serait pas mal. On peut faire un mode speedrun. Comme ça. Bon, j'y vais. Comment je fais là? Ah, select, je crois. Voilà. Arrête pile. Voilà, j'arrête là. Mais je pense que je vais continuer, je voulais juste essayer. Je me suis dit, normalement, hack, ça va pas forcément être super, mais ça reprend bien l'esprit de Conker, et puis c'est fait 2016, donc il y a plein de références récentes, c'est pas trop vieux. En plus, je reçois des messages. Donc merci d'avoir suivi, et puis bah à une prochaine fois.